Allons-y, on va remonter la musique. Le premier ministre Ahmed Bakayoko, à son arrivée dans la commune de Kumasi. Le premier ministre Ahmed Bakayoko, le deuxième tour. Nous allons immortaliser ce moment important, solennel. On a 30 secondes. L'arrivée de son excellence à monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, son excellence monsieur Ahmed Bakayoko, ici à Kumasi. Merci beaucoup. Nana Danoué, Majesté Président de la Chambre des Rois et Chef traditionnel de Kouba, Monsieur le Ministre, Maire de la Commune de Kumasi, mon cher frère Ibrahim Sissé Bakayoko, Monsieur le Ministre de l'administration du territoire, Madame la ministre de la Salubrité, Madame la ministre de la Culture, Monsieur le ministre des Sports, je voudrais saluer votre présence remarquée qui montre qu'il s'agit de Bakongo et qu'il y a une solidarité très forte autour de le vice-gouverneur du district Okodom d'Abidjan, mesdames et messieurs les élus, députés, sénateurs et conseillers municipaux, honorables chefs, distingués juges, mesdames et messieurs, au grade des qualités, chère population de Kumasi, je vous salue.
Je suis particulièrement heureux d'être là, ici, aujourd'hui, à Kumasi, à cette belle cérémonie qui consacre le siège de nos chefs traditionnels ici à Kumasi. Comme certains le savent, j'ai passé avec ma famille une partie de ma jeunesse ici à Kumasi. J'ai habité l'année de mon baccalauréat ici à Kumasi, au quartier Bangolin, et toutes les rues et ruelles de Kumasi me sont connues parce que je les ai pratiquées à pied. Je voudrais, monsieur le maire, avant tout propos, vous transmettre à vous-même et à l'ensemble du conseil municipal de Kumasi les chaleureuses félicitations du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Le président suit attentivement l'évolution de votre commune et il est particulièrement fier des échos qui lui parviennent. Ici, tout le monde est unanime et d'accord pour dire que les réalisations du maire sont élogieuses. Bravo à vous, monsieur le maire, d'être au service de vos populations. Bravo à vous, monsieur le maire, de transformer radicalement la vie des populations de Kumasi. Tout a changé ici à Kumasi. Tout est en train d'évoluer dans le bon sens. Et j'apprécie hautement que vous ayez accordé une hommage à feu de Koulibaly. Parce que je suis témoin qu'il avait à cœur d'accompagner les projets importants dans le domaine ici à Kumasi. Il a à cœur de soutenir son frère de Bangoumou. Monsieur le ministre de la Congo, déjà en 2019, Kumasi elle a été distinguée comme la commune la plus propre, si je m'amuse. Et vous avez été distingué comme l'un des meilleurs maires de Côte d'Ivoire. Sans trahir l'édition du prix d'excellence 2020, je peux dire que vous êtes toujours en bonne position. Et cela n'arrive pas par hasard. Quand vous êtes bon, vous êtes bon. Si c'est Bakongo, tu es bon, bravo. Tu nous inspires tous au quotidien. Je t'appelle pour prendre des conseils. Comment tu fais? J'ai une détermination à ne pas trahir d'être au service de la nation. C'est le secret de point de vue pour un responsable politique, pour un responsable qui veut travailler pour le public. Qui que vous soyez, sachez c'est-à-dire que vous mettez à la disposition des populations. Vous vous mettez au service des populations. C'est ce que le ministre fait. Il est venu rendre par la présence ici cet après-midi en tant que Premier ministre un hommage bien mérité.
Je veux également, au nom du président, saluer Sa Majesté Nana Tanoui, président de la Chambre des Rois, car ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le prolongement de la vision de Hassan Ouattara, de donner du respect et de la considération aux Guinéens de nos Oui, un peuple qui n'a pas de racine est un peuple qui est perdu. Il était essentiel à la nation que nous devons arrêter pour bien consolider qui nous sommes, d'où nous venons, pour savoir où nous venons aller. Et de vous, en tant que ministre d'institution de la République, qui vous a voté d'un siège à Yamoussoukro, et aujourd'hui, le président me charge de vous dire qu'il est fier du travail que l'ensemble des rois et chefs personnels de Côte d'Ivoire mènent à travers le pays, bien souvent en toute discrétion, pour la cohésion sociale, pour la paix dans le pays. Bravo et merci à vous de continuer. Nous sommes intéressés à leur culture, à leur vie, à leur mode de vie, à leur mode de vie en société, et leurs ailes, les valeurs les plus profondes de nos coutumes, dans le quotidien de notre vie, dans notre façon de nous développer, dans notre façon de régler nos problèmes. C'est pourquoi cette maison, cet espace, doit être un espace de paix, de retrouvailles, de partage et de solidarité. Ici, quand un habitant de Kumasi vient, il doit se sentir chez lui, il doit se sentir en protection, il doit se sentir en sécurité. Bravo, monsieur le maire. Vous avez fait des beaux marchés, vous avez fait des belles routes, mais aujourd'hui, vous donnez un contenu encore plus fort à votre action. C'est pourquoi je voudrais inviter l'ensemble à suivre votre exemple. Chers chefs de communauté, chefs traditionnels, merci. En votre nom, je dis merci au maire, mais au nom du maire et de ses collègues aussi, je vous dis merci de l'avoir honoré. Faites-nous confiance. Nous sommes vos enfants. Nous avons travaillé pour que ce beau pays soit un pays en paix, un pays qui progresse, un pays qui se développe, pour le bonheur de chacun de vos enfants. Nous comptons sur vous, sur votre éclairage, pour que ce pays également demeure un pays attaché à des valeurs de dialogue, des valeurs de paix, des valeurs de développement. Le président Hassan Ouattara est engagé pour le pays. Toutes ses actions, toutes ses décisions sont portées par l'intérêt supérieur de la nation. Vous le savez, un pays, c'est souvent un équilibre fragile. Mais il faut des hommes à la carrure du président Ouattara pour aider les populations, pour aider le pays à se stabiliser pendant des périodes sensibles de sa vie. Monsieur le maire, chers frères, très heureux de venir à cette cérémonie. Je peux féliciter. Je veux dire que, en tant que Premier ministre, je compte sur toi, sur tous les cadres et élus
de Kumasi. Je compte sur vous, les chefs, à travers vos prières et vos élections. Je compte sur vos actions pour qu'ensemble, nous puissions dire que ce pays avance. Mais en retour, sur le maire, mon cher frère, je veux te dire et te redire que tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur le soutien du Premier ministre Ahmed Agayoko, comme tu as pu compter sur le soutien du Premier ministre Aramoukou Koulibaly. Le Sénat est à tes côtés pour amplifier, accélérer tous les grands projets structurants que tu as engagés ici à Kumasi pour le bonheur des populations. C'est avec cet engagement que je vais clore mon propos en vous réitérant les vives félicitations du président de la République, le président Assane Ouattara, qui a apprécié hautement tout ce qui se passe ici à Kumasi pour le bonheur des populations. Je vous remercie. Thank you.
Ivoire TV.